Aujourd'hui, je suis avec la Mimi et Jordi, deux youtubeurs que j'aime déjà. C'est notre première rencontre et on s'aime beaucoup. On va vous faire un challenge. Donc, c'est boire ou répondre true or drink. On pige des questions, puis là, il faut répondre aux questions. Si on ne veut pas répondre, il faut boire. Faut boire. Ah, quand on boit, on comprend que il faut pas le dire. Hey, je suis tellement contente. On commence. Je peux-tu commencer? J'ai comme vraiment une... Oh my god, c'est excitant. Avec quelle ex-fréquentation tu serais la plus willing de recoucher? Par exemple, j'ai juste eu une fréquentation. Fait que... Moi, il me vient pas le nom en tête. Est-ce qu'il faut que je dise le nom? Ben oui, c'est ça. Avec quelle ex-fréquentation tu dois nommer le nom que tu vois? Puis tu vois trois gorgées. Mais je vais boire. Je sais pas si mon chum va aimer ça que... Moi, honnêtement, probablement, mais j'ai pas de nom qui vient en tête, donc... On va tous voir. Mais c'est ça, on... Tout probablement. Mais moi, j'ai répondu à la question, dans le fond. Malaise. I like it all over. Ok, j'ai hâte de vos questions, là. Mais tantôt, je tiens mon verre de bière comme si c'était une coupe de champagne. Mais gars, faut que je t'aise un steak. Faut que A few moments later... Could you be love? Oui. Here's my love. Ça fait 6 minutes, on a répondu à une question. Ok, bon, on va essayer. C'est à moi? Oh my god! Là, vous vous pigez, moi je tiens le bas. Ton plus gros turn on. Ah, je sais plus. Yo, moi ça va sonner bizarre, même. Mais j'aime les cuties, genre les baby face. Oh ouais, j'aime ça. Pis beaucoup les yeux bruns, là. Ouais, ça m'attire vraiment, les petits bruns. Elle a pas ça les yeux bleus? Non, ça m'agresse, ça me... Mais non, toi c'est super beau, mais... Non, mais c'est que les gars, j'aime bien! Non, mais genre, je sais pas, avec un... Je sais pas. C'est comme ça, les attirantes. J'ai oublié de dire des grosses mains. J'aime ça, un gars qui a des grosses mains. Comme pis t'as un mètre long. Il y a une grosse main pis en a une normale. Non, c'est le contraire, il y en a une toute petite. Ah oui! Excuse-moi, c'est Guy d'Orvois. Il y en a une grosse. Oh my god. Ben moi c'est sûr que mettons un gars qui a un sens de l'humour, ça me turn on automatiquement. Mais genre le gars peut être laid qui me turn on à fond s'il me fait pas marrer. Puis aussi mettons un gars qui porte un bon parfum. Tu sais pas mettons un parfum cheap qui pue. Hey, mais genre. C'est tellement vrai. Moi j'aime la confiance. Wow, c'est tellement beau. Comme réponse, c'est magnifique. Ouais. Quelqu'un qui arrive dans une pièce puis qui a de la confiance. Ouais. Wow, ça peut être quelqu'un de pas super cute, mais ça, t'as de la confiance. Oh, oui, je suis charmée. Qui sait parler aussi? Ah, oh, moi, il faut que tu me parles. Oh, okay. Okay. C'est à moi de piger. Quelle est la personne sur laquelle tu vas le plus fantasmer dans ta vie? Moi, c'est une barmaid. Ah! Oh! Elle s'appelle Juliane. Faut pas l'électrique, guys! Moi, c'est The Rock. Oh, ouais? Ah oui, j'ai vu! Ah, je l'aime tellement, là, pour vrai, genre. C'est sûr que je trompe mon chum pour lui. Cold Spruce. La palace de Saki. Moi aussi! Non, mais vous comprenez pas comment, genre. Allô, hola! Quelle est la chose pour laquelle tu as pleuré la dernière fois? Même une Insta story, je pleurais sur la tombe de Safia Nolin. Ah, je me rappelle, je l'ai vue. Moi, c'est la première fois que j'ai pleuré. Moi, je pleure à toutes les fois. Moi, tous les jours. C'est inquiétant, mais genre, l'accident Saskatchewan de l'équipe d'hockey, j'ai pleuré, je suis capotée, parce que j'ai déjà été proche d'une équipe d'hockey, bref. Je sais c'est quoi une équipe d'hockey, c'est la bromance. J'ai même envoyé mes condoléances à tout le monde. Ok, moi je vais te dire où est-ce que j'ai pleuré la dernière. C'est en écoutant l'émission première fois de Véronique Lutin. Oui! Je braille littéralement tous les émissions. Ton plus gros celebrity crush? Oh ouais! Mondial et Québec. Je vais dire les deux. Oh! Ok, moi Québec. Un mondial et un Québec. Moi c'est Cameron Diaz. Oh mon dieu! Oui. Rajan Labrosse. Oh! Chan Michael. Oh, je le trouve tellement beau. Lui. Il était pas, hein? On est d'accord? Mais... C'était pas le plus beau de la gang. Moi, il me fait ce gars-là. C'est le gars dans Vampire Diary. Moi, en tout cas, c'est sûr que Mondial, c'est The Rock. Ok, non. The Rock. Mais aussi, il y a, mettons, James Franco, là, qui est vraiment oui. C'est vraiment... Je m'appelle pas okay. C'est le gars dans Nerd. Je vais mettre une photo. Il est vraiment beau comme beau gars. Lui, ouais, pas pire. Pis Québec, ça par exemple, je suis mal à l'aise. Yann Englin.
Il est chaud de moins. Il est chaud. Marcel le bœuf. Oh, je le dis. Jason Roy l'éveillé. Oh! Ah, oui, je te veux, toi là. Pour rester comme dans la thématique des YouTubers. Moi, c'est genre Lisanne Ladeau. Ah oui. Ah, je la trouve tellement belle. Oh, ouais. Ah, ouais. T'as un girl crush? Ouais, girl crush. On dirait que j'ai vraiment comme perçu ses vidéos d'une manière différente de ouais. comment je la percevais avant. Puis, oh. Dans le fond, je suis comme. Et tellement. Mais tu sais, son chum aussi est pareil comme elle, là, dans le sens où vraiment, ouais, il brise les barrières, genre les clichés, pis tout. Ouais. Pis les deux, genre, les deux, t'as un homme, je pense. Oh! Bientôt une deuxième ou trois. Oui, tout est dans le frigère. Cette saison, on est rendu à cette étape-là. Tu es moins que, il fallait arrêter le temps que je mette mon diadème. Je voulais avoir le pourquoi du comment je porte ça. Vous irez voir la vidéo de Jocelyne. Je vais la mettre dans la barre d'infos quand elle va sortir. Oh, tellement cute. Vas-y, Meg. Ok, let's go, Meg. La gang à Megan va être la gang à Megan. Oh, ah, ça, moi, j'y comprends, Luc. Que... À Megan. Ah, une question grande ouverte. As-tu déjà embrassé une vedette sur Wiki? La personne que je ne peux dire le nom est une vedette. Mais moi, mettons, dans les plus vedettes, mais il y a genre deux personnes. Jérémy Fournier qui est humoriste, puis sinon Pierre-Luc Funk. Oh, ah! Ouais. Je suis bien contente. Comment t'as réalisé cet exploit? Ben, il était venu chez nous. J'avais fait une comédie musicale. Genre, en tout cas, on s'est vu que toi. Moi, genre, il n'y a pas de nom qui me revient. Mais comme... Ça doit être un DJ quelque part. Ah, oh, nomme ton plus gros fantasme. Mais moi, je l'ai dit, c'est un homme âgé. On va boire. On est comme. Ah, moi, je suis là, allô? Depuis tantôt, on répond comme ça, on était juste entre nous, mais on est avec une caméra, là. C'est un ouais. peu malaise, on aurait dû se voir ce soir. On était trop honnête. Alors, c'était déjà tout pour le Truth or Drink. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous êtes pompettes, les filles? Ouais. Personnellement, oui. Avouez que vous aimeriez ça les revoir sur ma chaîne. Oh, yay! Maggie Baby and my name is Jordy. Oh yeah, it's gonna be awesome. Tu sais que la belle queen. La queen. 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 Comment ça s'appelle déjà sa chaîne? Le Megan Gang. La gang, la gang à Megan. Ah oui, laissez les commentaires. On aimerait vous lire. Parce qu'on vous aime. On vous aime. On vous adore. Merci d'avoir écouté. Sérieux, oui. D'écouter mon niaise. Puis là, allez voir les chaînes de la Mimi et puis Jordi parce que pour vrai, je les. Genre, je vous aime. Vous êtes bonnes. Je vais mettre les liens dans la description. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis commentez, partagez. Même. Sur ce, puis aimez beaucoup. Passionnément la folie. Bye. Ciao.